choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le verset 8, 6. Or, sans foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu avec nous encore. Amen. Hier soir, nous avons commencé à dire que nous avons entré dans des choses difficiles à expliquer. C'est ça que l'écrivain sacré rapporte, non? Oui, nous avons commencé par cette ton épître difficile. Et les sujets qui traitaient dans l'épître là, il est aussi difficile. Et l'écrivain sacré appelle cette épître des paroles d'exhortation. C'est ça que Dieu déclarait dans Hébreux 13, verset 22. Je vous prie, frère. Même les, la tranchée, monsieur, on enseigne pour vous. Mais levez-vous quand même, frère. Je vous prie, frère, de supporter ces paroles d'exhortation. Car je vous ai écrit brièvement. Donc, vous démontrez que les filles chrétiens avaient besoin d'entendre ces paroles d'exhortation. Et situation dans laquelle Dieu t'a trouvé, auteur a tenu de procéder à une correction de leur conception erronée. Donc, nous dit quand tu as analysé déjà la parole d'exhortation, hein? Donc, nous t'ai considéré une parole d'exhortation, c'est dans Hébreux 11, verset 6. Au cœur de la campée pour nous, le croyant agréable à Dieu. Et nous délivre le verset 6. Au l'auteur de dire, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Et lorsque nous avons considéré ce verset qui était pour sujet, le croyant agréable à Dieu, nous mettons beaucoup d'accent sur l'aspect du sujet ça. Et auteur à qui ça le dit en train de parler. Le croyant agréable à Dieu, je ne t'ai commencé par exposer. Mais depuis hier soir, je ne t'ai commencé par exposer pour une préférence le comment d'être agréable à Dieu. Par quel moyen le croyant capable agréable à Dieu? Et hier soir, nous t'ai répondu, l'écrivain sacré, immédiatement dans le verset 6, lui répond, l'unique moyen pour agréable à Dieu, donc ici depuis hier soir, on était considéré la foi l'unique moyen d'être agréable à Dieu. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait nous comprendre dans Hébreux 11, verset 6. La foi est l'unique moyen d'être agréable à Dieu. Et lorsqu'on lit verset, et soit nous démontré, verset à qui image il présentait, il présentait l'image de l'apôtre Paul que nous jouons dans Romains 1er, verset 16. Lorsque la Bible a parlé, il faut que nous essayions de projeter l'image de l'Église sacrée. Surtout l'apôtre Paul, lors de Romains 1er, verset 16, nous avons l'impression qu'elle a couru à travers les rues de Rome avec une pancarte, n'est-ce pas, portant cette inscription. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est de même aussi, nous, l'image de l'Église sacrée de l'Épître aux Hébreux. Nous avons parcouru les quartiers résidentiels de la communauté juive. Nous avons parcouru les endroits habités par les judéo chrétiens avec une pancarte portant cette inscription. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous souligné pour vous, c'est à cause des conceptions erronées des judéo chrétiens qui ont avancé. Le moyen pour être agréable à Dieu, c'est joindre Jésus-Christ à Moïse. Son grand homme que nous dirons si vous voulez. Qui est le deuxième marié qui fait, nous joignons Jésus-Christ au sacerdoce lévitique. Et troisième moyen, nous associons Jésus-Christ à l'ancienne alliance. Voilà cette conception erronée que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit à corriger. Nous font, on pourra aller sous lit, nous pas besoin de reprendre encore ça, nous détient. Et hier soir, on dit on dit l'état utilisé, n'est-ce pas? Unique moyen pour capable plaire à Dieu, c'est la foi. Nous t'étions l'obligation nous-mêmes de te révéler, n'est-ce pas? Nous rentrer dans sa rouler la grammaire de la foi. C'est le sérieux moyen, le moyen unique.
Et avec tout le sérieux dont nous sommes capables, nous devons essayer de comprendre le sérieux de ce moyen unique, sans la foi. Et pour cela, hier soir, nous avons analysé pour nous avons relevé trois expressions dans le verset 6. Trois expressions qui constituaient l'épine dorsale même, n'est-ce pas, de sa présentation, une parole d'exhortation. Que première expression, nous avons considéré premièrement, c'était or. C'est la première expression que nous avons analysée pour hier soir. N'est-ce pas? Et deuxième, c'est le bon Dieu qui est à la disposition de les croyants, c'est la foi. Et deuxième expression, c'est sang. Et troisième expression, il est impossible. Donc lorsque nous avons souligné ce passage, nous avons cité sur ces trois expressions, or, sang, il est impossible. Et ce n'est pas pour rien que bon Dieu inspirait l'écrivain sacré. Chaque mot qu'il est et quelque chose à dire à l'occupation de puisque nous relèvons, n'est-ce pas, la grammaire de la foi, pour que nous ouvrions la grammaire de la foi, et tout d'abord nous déconsidérer ce petit or, il est intéressant, et nous déprendre de la grammaire grecque, et même de la grammaire française, nous déconsidérer cet or comme étant, c'est une particule de conjonction authentique. Voilà, c'est ce que nous avons dit la fois. Or, c'est une particule de conjonction authentique. Nous avons dit hier soir, il n'est pas question de conjonction de coordination, il n'est pas question de conjonction de subordination. Donc, or là, c'est une particule de conjonction authentique. On dit pareil. Cette particule de conjonction authentique, et qui s'est exprimé, cette particule de conjonction authentique, lui exprimer l'idée d'union. C'est ça, nous dit. Et celle-là, la même histoire. Amen. Oui, ils sont reprises de cela fait, et nous avons analysé l'idée d'union, et nous démontrer qui ça nous fait. C'est que la Bible a des côtés, que les textes sont obligés de personnifier, que les déclarations sont obligées de personnifier. Et ensuite, non seulement, il y a ce qu'on appelle la personnification de la Bible, parce que quel est le mot pour personnifier, lui représente personne, et qui ça nous fait. C'est or, c'est l'écrivain sacré qui utilisait lui personnifier. Non seulement le film personnifier, et puis il te l'appelle dans le manteau de Jésus. Donc c'est comme si c'est un juge qui est là. Oh, c'est monsieur le juge qui est là pour authentifier le décret irrévocable de Dieu. Et c'est ça nous dirons avec vous. Monsieur le juge, le décret divin pour être agréable à Dieu, l'unique moyen que bon Dieu était à la disposition de tous les croyants, c'est la foi. Et lorsque bon Dieu a établi ce moyen, voici que ce monsieur juge qui s'appelle Or, n'est-ce pas, l'île là pour authentifier, avait dit mettre le sceau sur le moyen irrévocable de Dieu. C'est comme si juge la licopée, il dit ce moyen, ce décret divin, ce moyen mis à la disposition de tous les croyants, ce moyen approche et annule tout autre moyen qui lui soit contraire. Ça nous dit hier soir. Donc il y a des textes de loi. Au nouveau texte de loi qui est écrit, législateur, ils ont droit pour approcher, ça veut dire déclarer nul ce qui avait été établi ou institué, ils ont annulé, n'est-ce pas, ils ont révoqué, ils ont supprimé. C'est exactement ça que nous avons considéré hier soir. Et nous avons dit que si nous étions un petit peu trop élevés, pour comprendre place et rôle que or la juive qui ça nous a fait, nous avons passé or dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Nous avons dit or. Voilà le premier endroit que tu es là, pour bien comprendre or là, comprendre son rôle de juge, n'est-ce pas, qu'a authentifié le décret divin, regarder sa position, nous démonter ce or, les placer entre les deux derniers versets du 10e chapitre et les deux premiers versets du 11e chapitre. Là, il faut apprendre à lire la Bible c'est pour méthode de lecture courante, la Bible c'est pas n'importe quel livre, il faut savoir lire la Bible, regarder bien la position de ce or. Que l'on te décrire soit pour lui placer l'opposition entre les deux derniers versets du 10e chapitre et les deux premiers versets du 11e chapitre. Donc, on fait ça, c'est justement pour que bien-aimé qui parle là, mon petit rappel du Saint-Esprit. Hier soir, dans les deux premiers versets, nous avons analysé verset 38 et verset 39. On dit, et mon juste vivra par la foi, ça c'est l'Éternel qui déclare. Et qui s'apporte à la tête des compagnes, nous qui référons dans l'Ancien Testament, dans la Bible 2, verset 4, le juste vivra par la foi. Et nous te considérons Romains 1er, verset 17, le juste vivra par la foi. Alors, dans la Bible, il dit par sa foi. Il dit en pile, application, et dans Galates 3, verset 11, il dit le juste vivra par la foi. Et dans Hébreux chapitre 10, verset 38, et mon juste
vivra par la foi. Nous montrer que dans ces affaires, bon Dieu déclaré, nous c'est juste. En Christ, bon Dieu déclaré, nous c'est juste. Son bagage est extrêmement important, nous devons mettre l'accent sur lui. Donc ces trois versets qui finissent avant des points, nous joignent par le juste. L'Éternel dit, mon juste. La Bible dit, chrétien sauvé par le sang de Christ, et puis l'Éternel déclaré au juste. Et son bagage, son procédure légale que mon Dieu a appliqué, et pas comme ça qu'on durait dans le monde juste. Ça veut dire, vous rappelez, on est obligé de remonter dans l'économie de la création mal considérée, n'est-ce pas, la situation chaotique que messieurs là devaient connaître. Et nous devons dire, mon Dieu, obligé. Il faut celui pour celle des sommes, mais que l'on est avocat, n'est-ce pas? Il faut que il a fallu que Adam est bon, on procède au avocat quand même qui nous y accompagne. Ce sont pas des lois condamnées. Ce sont pas bali, on avocat de Jésus-Christ, c'est le délai, t'es avec papa. Donc, on était hier soir, il était demandé papa pour l'accorder à son client une élevée de coups. Il avait dit accorder à son client une liberté provisoire. Et cette liberté provisoire que depuis dans l'économie de la création, tout homme recevoit cette liberté provisoire, jusque dans le moment côté de la fin là, et nous t'aider la liberté provisoire qu'on gagne, qu'on lève le ciel à déléguer, n'est-ce pas, les soldats qui font partie de la martiale céleste et à procéder à votre arrestation et les avocations appendables, quel que soit jour où on t'a considéré comme libre, mon pas livré. Et ça fait Jésus-Christ, elle paraît. Il connaissait même qui voulait papa pour accorder une liberté provisoire à client, à tout homme qui vient après Adam. Et puis Jésus dit, si le Fils vous a franchi, serez-vous. Ils sont liberté provisoire qui était pas ouf. Quel que soit le monde qui va convertir là, une liberté provisoire. Ou manger, ou bénir, ou à l'école, ou à travail, ou font pas quel bagaille, et l'on pas converti son liberté provisoire. Et attention à cette liberté provisoire, qu'on côté ciel là, mais il fait la liberté provisoire, et c'est que mon Dieu vous Jésus-Christ, pour nous, la vraie liberté. Est-ce que nous l'avons que chef? Donc nous sommes en train d'analyser cet ordre et nous démontrer que l'Éternel était deux croyants, le croyant, n'est-ce pas, le juste par la foi et le juste par la loi, et l'Éternel accepté, et le Dieu qui s'est appelé qui laisse, et puis mon Dieu, il choisit le juste. Juste par la foi. C'est lui choisi le chemin de la foi. Et elle fit choisir lui. Et puis il clairait, l'irrelait lui. Ça c'est juste bam, par la foi. Et c'est mon Dieu qu'il. C'est pas des rien nous copier. L'habitude pour Dieu choisi. Dieu juste à yon. Lui choisit ça par la foi. Et la foi a ses lois. Et puis le chemin de la foi. Et le garde la foi. Et voilà pour quelle raison le bon Dieu finit ses choix. Et puis il déclarait, autant la déclarer. S'il se retire. Ne m'a pas pris plaisir de lui. Et lorsque mon Dieu finit ça, alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux est pu déclarer avec tous les justes de tous les siècles et puis dit, nous ne sommes pas le ceux qui se retirent pour se perdre. Donc il était d'ici, il me dit qu'on en va loin, on va voir ma grâce, on va voir, et bien ne m'a pas pris plaisir là-dedans. Et puis l'auteur l'a dit avec tout justice, nous ne sommes pas le ceux qui se retirent pour se perdre. Nous parlons de les nous convertis pour Dieu créer nous, nous mettons à la grâce de Dieu pour marcher. Moi, il dit que la doctrine de la sécurité éternelle du croyant, même par en civil, non. Par en civil, on connaît, même on connaît, on prend tout texte d'avertissement qui concerne pour mon crainte, pour mon Dieu. On connaît me sauver, même sauver pour marcher en basse en Christ. Nous sauver pour marcher de la consécration, nous sauver pour marcher de la sanctification, m'appliquer la philosophie de Rahab, avec n'est-ce pas, et contacter des gars avec monsieur, nous mettons si on se doit là, et puis Rahab lui mettait le pot de lire, les messieurs autour de Miraïla, Miraïla se coin, son Miraïla t'a dit, on sortit parce qu'elle a mouru là, la Rahab t'a dit, côté de rendez-vous, c'est là avec lui, on va sortir. Amen. Amen. Quelle que soit la situation que j'ai gagné, revenons par autour de Christ. Pas qu'il y ait un petit monde en Christ. C'est là la vie, c'est la promotion, c'est la bénédiction, c'est la délivrance, c'est la grâce, c'est la pour enlèvement fait, c'est la pour Dieu. Je monte ça, il est là. Si vous m'arrêtez en bas, c'est Christ, vous montez avec vous dans mon nom. Donc, vous avez montré hier soir. Donc, nous avons considéré avec vous. Nous avons passé. Attitude. Mais la considérer à soya le deuxième. La deuxième élément clé avec ça. C'est la préposition sans. Il dit, or, sans la foi. Si or là c'est en conjonction, et particulièrement il fait partie de cette conjonction authentique, il y a un groupe de grammaire en affaire.
entier, nous avons étudié la conjonction de toutes ces facettes. Mais rappelons que nous avons parlé de cette conjonction authentique. Sans, c'est quoi? Sans, c'est une préposition. Mais cette préposition indique quoi? Puisque sans son préposition, l'indiquer l'absence. Cette préposition indique l'absence, cette préposition indique le manque. Ce qui veut dire, si la foi est absente chez le croyant, il lui est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce que vous l'avez même? Sans son préposition, une préposition qui indique l'absence, une préposition qui indique le manque. Ce qui veut dire, si la foi est agréable chez le croyant, eh bien, il lui est impossible d'être agréable. Si mon Dieu pas donne la foi dans vous, eh bien, impossible pour donc qu'on fait le travail ce matin. Si mon Dieu pas donne la foi dans chaque homme vous donne, eh bien, nous pas agréable à Dieu. Voilà le sens. D'où vous capable de croire sans avoir la foi. C'est la lumière. Oui, vous capable de croire ou pas avoir la foi. Voilà exactement ça que nous constatons de nos jours dans le monde bouddhiste. Le monde protestant en général. Ou capable quoi? Et pourtant, on va gagner la foi. La Bible dit, qu'on nuance, qu'on subtilité de nuance entre le verbe croire et le substantif foi. Qu'on subtilité de nuance qui échappait à plus d'un. Et voilà pour quelle raison c'est une pire confusion qui régnait. Mais depuis aux Hébreux, et la Bible, et notre Bible n'a pas de confusion. Car la Bible dit clairement, on peut croire et ne pas, et ne pas avoir la foi. Nous qu'à croire pour pas la foi, oui. L'exemple suprême nous est donné par Caïn. Et comme application, nous pouvons considérer mon personnage de l'Ancien Testament. C'est Caïn. Dans la Bible de Genèse, chapitre 4, verset 1er. Caïn est l'exemple suprême de celui qui croit, mais qui n'a pas la foi. Caïn croit. Mais pas de la foi. Et c'est pour cette raison que nous toujours dit, le chrétien se voit obligé de se sonder. Sondez-vous pour voir. Est-ce qu'on a de la foi? Est-ce que ce n'est pas logique qu'on prenne de la vie chrétienne seulement? Non, mon Dieu va accepter. Il est bien sur l'auteur par la logique de la foi, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout côté pour nous accepter logique là. Sondez-vous pour est-ce que vous de la foi? A dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même. Ou c'est croyant, mais examinons pour est-ce qu'on a la foi? On est capable de croire et on parle de la foi. Exemple Caïn. Le premier en date après Adam. Regardez Caïn. Lors de Genèse, chapitre 4, verset 1er, qu'est-ce qu'il dit? Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Reste là d'abord. Au Dieu de Caïn. La niaiserie que l'attend des jours, il y a parfois de certaines personnes. Ça va te dire, c'est mon capillité, tu vois, dit. Ça va te dire. Alors, c'est ça qui vient dans le monde protestant. Il est vrai que bon carence d'hommes intellectuels parmi nous. Ça permet d'être intellectuel, on comprend qu'il y a une tissale qui est dans l'idée. Que par attitude, nous, l'esprit scientifique n'a pas dit, nous, pas quoi dans Dieu. Il faut pas qu'être bon essentiel, la Bible, il est essentiel. L'essentiel dit dans son cœur qu'il n'y a pas de gêne. Donc, carré des voiles à Dieu. Ensuite, il a son crédit. Il a son crédit, son nom. Que ça veut dire le mot carré. Carré, le mot de carré veut dire acquisition. Acquisition, son nom qui est conforme, il le fait acquérir. Carré, ce nom veut dire acquisition. Et qui est-ce qui va le nom? C'est pas papa qui va le nom, non. C'est sa mère qui a donné à son fils, n'est-ce pas, à son premier fils, le nom de Caïn. Le nom, c'est maman qui m'a dit, le nom de Caïn, qui veut dire, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Ça, c'est elle qui dit, il va loin, peut-être de construire avec Maria, mais la Bible fait silence sous lui. Donc, son nom, le nom de Caïn, veut dire acquisition. D'où le nom de Caïn, il a dû orienter vers un seul but. Chercher à acquérir la faveur de Dieu. Voilà le but pour lequel Caïn est. Puisque moment de l'acquisition, il a dû chercher à tout moment pour acquérir la faveur de Dieu. Caïn, voici ton nom. Mais comment est le petit garçon? Où est l'acquisition? Ça veut dire, vous pouvez chercher à acquérir la faveur de Dieu. Caïn était recevant une belle éducation spirituelle de la part de son père. Papa fait pareil.
Et non pas pour faire travail ou à crier du livre. Car il y a une pénétration spirituelle, papa, et constamment du haut de la chair. Nous toujours dit, pasteur, on dit, papa, aussi, à des fois, on démissionne. Et on fait faillite. Et deux fois, papa, yo, le rôle du père, c'est de pouvoir instruire ses enfants. N'est-ce pas? Adèle est un bon père. Et tu veux encore un bon mari. Il m'a dit, mon bon papa, mon bon mari. Adèle a fait l'éducation de sa femme. L'auteur, c'est un garçon qui a fait l'éducation, madame. Au bon père. Il a fait l'éducation de ses enfants. Donc, si Caïn a reçu une bonne éducation spirituelle, car la Bible nous dit dans Genèse 3, verset 4, au bout de quelques temps, Caïn vit à l'Éternel. Si Caïn s'approcha de l'Éternel pour faire son offrande, c'est parce que l'Éternel a cette éducation de Adam à Paris. Parce que si Adam a tué, comment est-ce qu'il a jeûné? Donc, Caïn était un homme bien préparé spirituellement, mais académiquement. Pour qu'il a préparé académiquement, intellectuellement et pourtant spirituellement oisif. Et mon Dieu, par contre, tout leur formation académique. Il n'est pas comme ça. Un homme bien préparé spirituellement. Alors, il était tellement bien préparé. Remarquez, Moïse, au bout de quelques temps, donc Moïse a fait toute une phrase. Ça veut dire que quand il devait adulte, l'homme s'est devenu grand monde. Caïn réalisé que le salut n'est pas héréditaire. Peut-être que l'enseignement, papa, t'es ma vie. L'infini grand monde. Il vient réaliser que le salut, c'est pour ma vie héréditaire. Donc chacun doit chercher à s'approcher de Dieu pour son salut. C'est où pour apprendre, on a des petits, on a petit, pour parler des principes. Principe de salut pour apprendre mon avec levé. Il veut une grâce, mon Dieu. Il veut une grâce, mon Dieu. Il levait la dame. Mais bon, là, il y a une compréhension. Le petit monde a fini. Comment s'est développé? Peut-être à l'âge de 11 ans, 12 ans, suivant. Quoi, ça, si mon âge, c'est pour qu'il désormais mon fils. Pourquoi le père accepter Jésus par nom comme sauveur personnel? Si mon âge, autorité, on va petit fort faire ça. On a commencé à développer. On commence à jeune petite demoiselle. On commence à jeune petit garçon. On a toujours mené l'église, mal avant l'église, papa au chrétien, maman chrétien, on peut se faire déclaration personnelle par eux. Ils avaient rencontré Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous faites mon enfant déclaration. C'est pour dire même, et peut-être pour apprendre la Bible, m'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Mais ce qui s'est passé, quand il arrive au côté, je suis réalisé que ça lui a ses problèmes. Il est venu, on a levé nos familles chrétiennes, il est bon. Il vient de l'éducation, le bon. Là, il a notre impulsion, la vivant l'autre. Malgré son petit danger, quand il vient, on a levé la campagne. Et ça ne va pas mettre si on n'est pas qui l'école. Et si passe, si on n'a pas l'anglais, si on a du salvé, là, le côté élevé. Et puis, il a la soule là, il y a quelqu'un pour faire des rails. Quand il dit quitter son là, à tel côté. Ça, c'est obscène, la porte de Jacksonville. Ça, Jacksonville. Et puis, quand il parle, il ne t'en pas. Et puis, t'en pas. Il dit ma vie là, ça qu'a déplacé, c'est comme ça vous faire. C'est où vous commencez par imprimer autorité. N'est-ce pas sous Timon depuis le commencé pitié? Et pour faire éducation Timon pour connaître qui monde derrière. Ou pas garder cher parce que sur l'autre génération, mon conjoint capable à Timon pour attirer. Ou par avec elle pour aller, mon côté à l'évangile. On va dire quand on vient à l'école, la papa tenir compte, le côté à pour nous aller du à l'homme, fait trop, et là ils vont capable de petit garçon son guerrier. Ou bien ils sont petit fille mettre dans là, et puis sont lesbiennes liées. Et pour dire, ou même qui t'es dormi la carrière, mon papa, et pour dire quand on va dormir, ou on l'a petit lesbienne. Ou dit si tu veux là, ou imaginez que ça va passer. Ou quand ça veut dire, parce que mon ça y a agressif, il y a fait mouvement quand même. Ça veut dire, ou qu'on qui côté pour faire l'école. C'est pas si on a passé l'interview, j'ai dans l'école. Et puis il a choisi côté le voulait. Parce que le comprenement, mon papa, non, donc ça fait. Nous, même, c'est que le monde, c'est pour l'école. Et pour capable. Si on va venir, nous le savons. À l'école. Et pour capable. Bon Dieu, aidez. Il n'y avait pas d'anglais. Alors, regardez au milieu comme sénateur. J'aime si tu veux. Quand il compte lire, l'autre de l'autre bois, dans le mythe spanish, sous où les tigres sont levés tout petit. Il veut comprendre. Et puis quand il compte lire, il n'a pas les langues ni la taille de l'autre bois, quand il y a une famille, que tout a voté, tout spanish au côté. Et puis il est campé là. Le bon mot est battu, c'est parce qu'il y a un peu comme eux, ils ont dit la tigre pour vivre plus d'Amérique. Il va la paix, il va la bourre. Mais les langues ni avec pour la carte de par là. C'est pour commencer. Donc, premièrement, pour détruire mentalité à
besoin d'attaquer en nation, c'est l'ennemi pour attaquer. Ou bien, si tu as le travail, il n'y a pas qu'à péter pour l'autre siècle. Tu peux être que c'est un blessé. Moi, ma vie, je comprends que c'est un bouchon. C'est ça qu'on a pour des gars. Mon collègue, c'est un bouchon pour venir prendre l'anglais. On ne sait pas l'anglais. Non, allez, allez, pour ça. Sans qu'à dire, on est dit. Quand vous avez dit, on contrôle. Amen. C'est nous là, avec moi. C'est quand tu parles de cette famille. Alors, c'est pour montrer un petit monde de la pleuve. Caillé, n'est-ce pas? L'IOSE conduit la belle éducation. L'éducation de l'air, il y aurait l'acquisition. Ça veut dire, c'est comme si mon mari parlait d'elle. Il dit, regardez, petit garçon, moi, efforcez-vous pour acquérir la faveur de Dieu. Quoi de ça? Elle n'a pas poché de Dieu. Elle n'a pas poché de Dieu pour chercher exactement sa propre faveur. En outre, Caïn a posé un grand acte religieux en deux aspects. Il est bien simple. Il pose un acte religieux en deux aspects. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Après regarder l'offrande de Caïn, je dis à bien mon kippa pour qu'il ait petit de Caïn. Mais c'est pas de ça. Non, pas de ça. C'est pas de Caïn de la vie d'un homme. Ou pas prendre le cahier, mais c'est pendant. Ah, plutôt prendre le cahier, oui. Yo, jaloux de frère, yo. Et si, cahier, posons à religieux. Que protestant va même oser poser. Regardez son acte religieux. Il faut offrir à l'Éternel, offrir les deux aspects. T'as fait une offrande, Lia. A bien regarder dans le premier aspect de son offrande. C'était une marque de gratitude et de reconnaissance. Nous parlons de cahier. Offrir, c'est une marque de gratitude et de reconnaissance. C'est lui qui travaille la terre. Il était agriculteur. La terre a rapporté ses fruits. Et il réalisait que pas grand-rien qui vient de lui-même de travailler terre là. Et ce n'est pas lui-même qui fait terre à rapporter. Par conséquent, il a montré sa gratitude envers celui qui a fait produire la terre. Encore Dieu. Il y a des gens qui ont été que la terre a rapporté pour lui. Remarquez, avant que M. Prenval ne s'accorde du balia, il va à Dieu d'abord. Il va à Dieu d'abord. Dieu a été le premier servi par Caïn. Dieu doit être le premier servi. Et lorsqu'on réalise et son guerrier, il vient de l'intelligence de Dieu, eh bien, où est-ce que vous travaillez, c'est vrai. Et pour Dieu permettre de réaliser aussi le bagage, donc pour Dieu doit être le premier servi. Il est aussi le film fait toute bagaille personnelle et puis il a vu l'église la chercher. On dit bagaille, non, mettez pas mon Dieu à part. Soit vous regardez à l'église, vous ne pouvez pas contribuer. Certaines églises, il met. Soit vous regardez, non, vous ne pouvez pas contribuer. Quel est l'on dit, est-ce que vous compromissez? Donc, il y a des côtés d'où aussi, elles sont pas mal, mais c'est pas vif. Ou pas faire logique, ou pas sous faire logique, pas d'abaille, oui. Vous obligez pas parce que l'œuvre de Dieu a, c'est le monde qui sauve pour supporter le travail. C'est chrétien pour supporter le travail, mon Dieu. C'est une responsabilité. Et puis c'est pour être nombreux à glorifier pour supporter le support. Supporter l'église, c'est des problèmes. Je ne vais pas vous aller à n'importe quoi, c'est bandit. On peut être à bonne sa chape, on peut être à bonne sa durée, qui n'a tout business à la rue. On va le dire comme mal. Non, non, non. On va prêter. On va prêter. Mais c'est quoi l'église, on n'a rien pas. Bah, y a pas, on est d'accord, ça se fait pas, c'est là, le bon Dieu. Bah, bon Dieu, mais c'est des petits cupides de travail, mais c'est moi qui, quand papa, c'est parce que les bonnes qui approchent, t'as des saints, qui doivent pas mourir, les bagues marouilles, il y a des problèmes, mon cap marouille là, mais pas même moi qui m'ont gagné, des bagues qui vivent, nous pas trop aimer ça, pour dire les ténocènes qui aiment les maris, mais nous pas tellement du père. Tout le monde qui perd des bagues qui vivent, qui ont pas attaqué la boule, celle-là, là, qui sont des faits pour lui, est-ce qu'on est où elle est, qui pour côté comité, à côté soi-interne, côté soi-interne, la situation, la mise, est-ce que nous visitons, comment le vivre, comme j'aime vivre sur Haïti, qui s'est fait pour le vivre. Donc, attends, mais quand même, la Bible, c'est pour contribuer.
Parce que la caille bon Dieu. Si nous ne contribuons pas, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas pour comme ça. Nous contribuons. Si nous ne contribuons pas, comment? Et c'est peut-être une raison qui fait un peu de pasteur quand on a le travail. Mais dans tout job, il y a un peu de côté de mon pasteur, pas quand il y a un pasteur. Non, je ne sais pas, Dieu, on va dire non, on va pas pasteur les jokes. On va quitter la job, ce qu'on fait là. Pour un appel, il faut devenir un pasteur à vocation. Pour qu'il y ait temps pour lire, il faut qu'il y ait temps pour préparer, pour qu'il y ait temps pour étudier. Il y a des textes qui ont foi pour appeler au fibre. Il y a un nouveau paquet de mentir et de prêcher. Et puis tout le monde appelle le diable. Et puis c'est mon soin, il a prêché. Ça n'a pas qu'à dire qu'on était sous qu'elle nous était dormi, nous était rêvé, puis nous tombé, puis nous prêché. Et puis le monde qui va comme rien, puis comme rien, les faire brûler. Et ça, mais ça y est là. Non! Et puis il y a des gens qui ont fait la Bible là, analyser la Bible là, prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole là, pas mal de Bible, vous n'avez pas ça là. C'est nous la veine. Amen. C'est nous là, nous voilà caillé. Il paye bon Dieu pour le mien. Il paye bon Dieu pour le mien. Moïse, c'est là. Le verset 4, Moïse dit au bagage. L'Éternel porta un regard favorable sur la paix et sur son offrande. Mais pas pour ton regard favorable sur le caillé et sur son offrande. Mais l'homme, un homme religieux, il croit, il respecte non. Il respecte son éducation qu'il a reçue de la part de son père. Il n'a pas approché de Dieu. Elle n'a pas approché pour sa propre faveur. Il croit, il a respect pour Dieu. Moïse dit ça. Et pourtant, Moïse dit, Dieu ne porte pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pour qui ça? Qui ça te manqué à Caïn? Caïn, c'est ton croyant. Caïn, c'est ton religieux. Un croyant religieux. Mais ça te manqué à croyant, à Caïn. Hébreux 11, verset 4, nous dit, toujours le Nouveau Testament. Aussi longtemps que le Nouveau Testament ne met pas son sceau sur quelque chose d'ancien, nous pas capables de faire de lion doctrine. Voilà, le Nouveau Testament nous dit, Hébreux 11, verset 4, qu'est-ce qui manquait à Caïn? Eh bien, c'est l'écrivain sacré qui nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Mais ça, Caïn était manqué. Mais ça, était manqué à Caïn, l'homme religieux, le premier homme religieux de la terre, Caïn. L'homme bien regardé, monsieur, c'est un grand homme religieux. L'église a rêvé, bon, c'est un grand homme avec eux. Mais cependant, il a manqué à Caïn la foi. Donc, ou capable de croire, et pourtant, pas de la foi. Caïn croyait, mais il n'avait pas la foi. Et la Bible nous dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Oui, Caïn, tu es religieux, c'est vrai. Ou bonjour, grand acte religieux, c'est vrai. Tu respectes ton nom, c'est vrai. Tu respectes le serment de ton père, c'est vrai. Mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans la foi, c'est toute la vie du croyant. C'est pour cette raison que Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Pour la foi et avec la foi. Voilà exactement la foi. Le croyant doit vivre par la foi, pour la foi et avec la foi. Donc sans la foi, Caïn n'a pas été agréable à Dieu. Donc ça c'est ça. Et la troisième expression pour terminer, pour pas trop long, c'est un passage difficile. Ça veut dire beaucoup de choses difficiles. On peut bien imaginer, on arrive dans la troisième expression. Il est impossible. Le terme grec utilisé ici, en tout premier lieu, il veut dire qui est incapable de, qui est impuissant à. Donc le terme grec veut dire, il est impossible aussi. Mais c'est juste qu'à faire. Dans tout premier lieu, le terme grec veut dire qui est incapable de, qui est impuissant à. D'où on peut dire, sans la foi, le croyant est incapable de suivre l'agréable à Dieu. La puissance. Donc sans la foi, le croyant est incapable de suivre l'agréable à Dieu. Ou voulez en agréable à Dieu, ou de mettre toute richesse, ou mettez l'école, ou mettez l'hôpital, ou même vous manger, ou faites toute bagarre, ça c'est philanthropie, et nous sommes philanthropes ou philanthropie, mais ça pour agréable à Dieu, c'est la foi, mon Dieu, mon Dieu. Amen. Le monde qui va venir par la foi, et le sang va faire. La Bible dit, je ne sais pas la foi pour vivre, oui. Quelle est grâce, je ne sais pas la foi, oui. Quelle est nomination, c'est pas la foi, oui. Quelle est contre toi, ce n'est pas la foi pour mon Dieu, oui. Quelle est le monde qui va occuper, mais vous-même, pour Dieu exige, je ne sais pas la foi pour vivre, oui. Vous ne mettez pas vers le bout de Dieu, j'essaie de mettre sous l'eau. Vous pouvez dire, pourquoi l'éternel demande, c'est par la foi pour vivre. Donc le terme que veut dire, qui est incapable de Dieu, qui est impuissant à tout, on peut dire, au sein de la foi, le croyant est incapable de se rendre agréable à Dieu. Voilà le sens de l'expression utilisée par l'auteur. Sans la foi, le croyant est incapable de se rendre agréable à Dieu. Oh, quel est le but qu'il a poursuivre pour être capable d'agréable à Dieu? L'auteur a dit, sans la foi, le croyant est incapable de se rendre agréable à Dieu. Ou encore, sans la foi, le croyant est impuissant à se rendre agréable à Dieu. Donc la foi, c'est l'unique puissance
La foi, c'est la puissance de Dieu qui met à la disposition de tout le monde qui croit là, pour capable de créer à la lumière. Et sans la foi, il est impuissant aux croyants. Ou pas capable de créer à Dieu sans pas des puissances. La foi, pour ne pas être trop théorique, ma présence Paul pour terminer. Dans tous les écrits, dans tous les écrits, on a étudié son beauté. C'est comme si son grand témoignage, Paul a exposé ville, c'est le témoignage de sa vie. Expérience qu'elle fait avec Jésus-Christ, qu'elle a exposé nous. Sans la foi, dit l'auteur, le croyant est incapable de se rendre agréable à Dieu. Sans la foi, le croyant est impuissant à se rendre agréable à Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux. Un esprit, il va au exemple de cette sortie là, c'est l'apôtre Paul. En nous à Paul, avant sa conversion, qui vous l'idée? Je me rappelle que mon prêtre qui relait Saint-Augustin, lorsqu'on a appris son histoire avant de connaître Dieu, il s'était foutré dans la boue du péché, mais pas l'apôtre Paul. Le prêtre qu'on appelle Saint-Augustin, il aimait bon Dieu, il aimait le Vatican, et avant même que l'entrée de la pétrise, il a foutré dans la boue du mal et dans la boue du péché, mais pas l'apôtre Paul. Oh non! Regardez Paul, il a cherché à être agréable à Dieu. Et quel est son témoignage? Paul déclarait au côté de Philippe, Philippe chapitre 3, Philippiens chapitre 3, et en Galates 1er, verset 13 et 14, dans Philippiens 3, verset 4, n'est-ce pas? On a regardé les versets ici. Regardez Paul, qui a cherché à être agréable à Dieu. Paul le dit, dans Philippiens 3, verset 4, moi aussi! Cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si vous voulez mettre confiance dans la chair, vous n'avez pas fait tout. Paul qui dit ça. Et Paul énumérait sept crédits qu'a procuré cher libre pour le capable d'agréer à Dieu. C'est le lieu de l'époque là. Et crédit ça, lors de verset 5, Paul dit, moi, si vous concilez le huitième jour, est-ce que Paul voulait dire, moi, si vous concilez le huitième jour, qui ça Paul met accent? Où ça Paul met accent sur la circoncision qui fait de lui un membre de la race d'Abraham, qui porte dans sa chair le sceau de la circoncision? Ah, le premier saut que mon Dieu te bat, nous, le judaïsme, il y a trois grands sauts que le bail. N'est-ce pas? Le judaïsme, c'est que tout le monde qui était judaïsant, il était fier parce qu'il était marqué par les trois grands sauts qui faisaient l'honneur du judaïsme. Et quels étaient ces trois grands sauts qui faisaient l'honneur du judaïsme? Le saut de la circoncision, le saut de la loi, le saut du sabbat. C'était ces trois grands sauts qui faisaient l'honneur du judaïsme. Et les Jésus croisés avec sa neige, avec Nicodème, il n'est pas entré là-dedans, mais il a parlé, il prenait le son préliminaire, la pensée à Nicodème, et pour tel cours de théologie très avancé à la femme samaritaine. Et plus tard, les Jésus parlent culminer ces trois grands sauts, et puis là, il y a l'apôtre Paul, qui a écrit à une église, pas qu'à nos chrétiens, l'église d'Éphèse, et puis Paul dit, mais il faisait premier verset 13 au verset 17, en lui vous avez cru, vous avez été scellés. Et c'est ça, le son du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait. L'aime descend et pour là, il y a un petit jour, on bagaille dans le même, il y a le chiki. Il dit, monsieur, qui est le monsieur, on bagaille dans le même. Il dit, je regarde, on bagaille dans le même. Il dit, regardez-moi, dame, dame, pour pas qu'elle bagaille, pas la sonne, il fait bouille, sonne, il fait bouille. Et puis, moi, même, là, regardez-le, on bagaille dans le même. Madame, moi, dit, ah, papa, ça passe, on bagaille. Donc, il dit ça, non, là, regardez ça, il dit, même, on est. L'esprit. Nous ne pouvons pas nous élever. 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 L'Esprit de Dieu nous accompagne. L'Esprit de Dieu nous élève avec vous. Marqué par le son du Saint-Esprit. Marqué par le son. Le son du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis l'enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il est mon professeur. C'est lui qui est choisi pour aller dans la base à la tête de ses deux. C'est lui qui allait pour enseigner toutes les grandes vérités que Jésus était en train d'enseigner. Donc, madame l'apôtre Paul, il dit, moi, Paul, si vous considérez le huitième jour, et qui s'appelle mettre accent sur la circoncision, qui fait de lui un membre de la race d'Abraham, qui portait dans sa chair le sang de la circoncision, oh non, pas du tout. Paul dit, moi, si vous considérez le huitième jour, qui ça veut dire? Paul qui portait dans sa chair le sang de la circoncision, on a ça, le jour de la circoncision, le huitième jour, qui ça veut dire en Israël, lorsque l'enfant mâle, pour le circoncis. Les parents, ils ont réuni, les amis, ils ont réuni, ils ont dit, cet enfant, que sera-t-il en Israël? Que la mère de Paul, parfaite, ils ont dit, cet enfant, que sera-t-il en Israël? Et ce jour-là, ils ont parlé à Paul le nom de la circoncision. On a ici, on a le nom du baptême. Ils ont parlé Paul le nom de la circoncision. On a quitté ça là. Et quel est le nom de la circoncision de Paul? Ils ont révélé le sol. Ils ont révélé le sol. Cet enfant sera appelé sol. Saul, ce jour-là, il sera appelé Saul. Il sera Saul en Israël. Le huitième jour de la circoncision, que sera-t-il donc cette fois? Et les parents lui répondent,
il sera Saul en Israël. Et le Saul veut dire désiré. Ah, il sera le désiré de Dieu en Israël. D'après le nom de Paul, il est pour devoir, pour chercher à devenir le désiré de Dieu. Être agréable à Dieu, le désiré de Dieu. Voilà pour quelle raison Paul parlait de la circoncision. Est-ce qu'on vous désire pour mon Dieu rempli? Est-ce qu'on vous désire pour sauver? Est-ce qu'on vous désire pour vivre l'évangile de la Bible avant dit? Paul était conformé à son nom. Ensuite, je dis, ensuite de la race d'Israël. Il n'a pas dit de la race juive. De la race d'Israël. Pour quelle raison Israël? Peut-être que tu fais allusion à Jacob. Le jour où mon Dieu t'a changé le nom de Jacob en Israël, qui veut dire le vainqueur de Dieu, le prince avec Dieu. Donc ainsi Paul le dit, ma vie, non seulement j'ai le désir de Dieu, mais mon désir, c'est d'être prince avec Dieu. Voilà une atout en ma faveur. En outre, Paul continuait de la tribu de Benjamin. À qui ça Paul fait allusion? De cette tribu était sorti le premier roi d'Israël. Oui, c'est la tribu de Benjamin qui était sorti le premier roi d'Israël et qui était venu de Saül. Le même nom que Paul. C'est un civil, c'est comme ça. Oui, c'est seulement dans le Nouveau Testament. Nous, pas jeune accent et tréma sous Uya. Mais l'Ancien Testament, bon accent. Voilà pourquoi ça fait Saül. Et dans le Nouveau Testament, il y a eu le sol, il n'y a pas d'accent. Il est devenu le désir de Dieu, donc le premier roi d'Israël. Alors Paul, maintenant, qui fait appel ici, lorsqu'il est de la tribu de Benjamin, pour montrer qu'il n'est pas le Saül de l'Ancien Testament, mais lui, l'homme royal, la cherché le désir de Dieu, si le premier a échoué, mais lui, la cherché le désir de Dieu. Voilà pour quelle raison Paul le dit, de la tribu de Benjamin. Ensuite, le quatrième, on dit Hébreu et Hébreu. Pour montrer qu'il a suscité, comme Moïse, le lait de l'éducation judaïque dès le sein de sa mère. Les mères d'autrefois, il dit que pour devoir, pour éduquer Timonio, et qu'on y aurait une jeune fille, papa, et Timonio, t'es dit, quoi. Et qu'elle n'a pas qu'elle relation, Timonio, papa, j'ai un gamin, parce qu'elle n'a pas suscité les mamans. Mais l'on va dire mon allait maman, et faut moment qu'on va y l'aide, et qu'il y a un ciel, l'autre chef fille mariée, c'est pour qu'on ait pouvoir aller te visiter, après trois mois mariés, et après deux mois mariés, pour aller comment l'une des miel la fille, comment nous y est, et les filles qui vont timoun, si je dis pas c'est la bonne timoun, c'est pour qu'on commande la petite timoun, c'est pour aussi former un ciel, qui l'a fait expérience pour garder, l'on va dire tu dois t'aider, timoun ne comprend pas qu'il y a des et puis il a pas aller, nous dit non, et vous qu'aimez. Si mon appelé nous Québec, dans la protéine, oui, pour nous bâtir, pour nous mettre à l'aide, nous, faut qu'il y ait des siens, il va pas avoir des siens pour les hommes. Et quand il m'a demandé, il a fini pour les siens en descendre. Non, c'est pour qu'il y ait des siens, pour les siens, pour qu'il y ait des siens. La petite heure dessus, la brûlée des siens, la brûlée des siens, qu'il y ait des siens bouchés là. Qu'il y ait des siens bouchés, qu'il y ait des. Et pour l'autre, des siens, on a suivi l'être, maman, si on a devenu un autre monde. Si on n'a pas même chant. Où est-ce que mon habituellement? Où est-ce que pas petit va qu'avoir qu'à faire ça dans la vie? C'est notre. Où est-ce que la rue on a vu? Papa on va occuper. Et puis on a vu dans la rue. Il y a le droit. Il y a le la rue. Il y a volé. Il y a couché. Il y a payé. Là c'est nos secrets. Notre tout bagage. Parce que c'est la rue on a vu. Sous l'époque du Valais. Le temple. T'es mon côté. Il y a un chat. Il y a un peu. Et puis à mes yeux. On a côté nous aussi. On continue à calmer les yeux. On continue à calmer les tout type de tout type vagabond. Et puis il y a un gars qui fait monter de la main. On dit, il n'y a pas de moment où il s'appelle un crime comme ça, parce qu'il n'y a pas de lever avec tes soeurs, il n'y a pas de lever avec tes frères, il y a méchant, il y a criminel, il n'y a pas de lever maman. L'homme est maman, ou qu'on l'a nature, l'homme est maman, ou pas carré les moments, l'homme est maman, c'est pour nous comment l'homme, comment lier, c'est maman lié. La Bible dit, on l'a ton père et ta mère. Donc, Paul, il boit le lait de l'éducation judaïque et le sein de sa mère. Maman, des fois, il était le pour devoir, pour éduquer ses mouillons. Et l'apôtre Paul le dit, de la jupe de sa mère, il a suscité le lait judaïque. Hébreu de l'hébreu. Il continue, quant à la loi pharisienne, c'est pour montrer maintenant qu'il était l'observateur rigoureux de la loi de Moïse. Ah oui, cependant, et puis quand on était sur la route de Damas, nous avons parlé avec mon commissaire, et puis j'ai dit non, et puis nous avons porté bas aux discussions pour dire les gens, dit non, je dis, et la loi mère, il faut être échangeable et échanger, nous respecter la position de Dieu, même dit, mais nous dans le Nouveau Testament, Jésus, son législateur, il est sélecté la loi, c'est lui seul qui est habilité à procéder à des amendements de la loi mère. Je dis, où est-ce que vous avez trouvé des amendements? Dis voilà, allez lire, n'est-ce pas, de Matthieu, quand Jésus me dit, vous avez appris qu'il a été dit, moi je vous dis, ça va aller à vos voyages. Quand vous savez que vous êtes à vos courriers, vous ne pouvez pas dire n'importe qui va gagner. C'est à vous de le Jésus est avocat, mais pas comme dit ça. Jésus est mis tout avocat. Avocat, mais. Vous avez appris qu'il a été dit. Moi, je vous dis. C'est ça le Christ qui t'a fait. Moïse n'a pas fait un bon endroit. Il faut que les mots de la vie, c'est fini. Il n'a pas changé.
Il n'est pas caché. Il est bon Dieu de la gloire. C'est dans Jésus que tu as pu chaque loi. Vous avez vu un peu qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis, vous avez là avant moi. Vous avez moi, vous êtes couché en fille, c'est notre couché avec elle. Les îles, vous n'avez pas couché en fille. Vous gagnez le serment de rôle. Vous êtes obligé de dire, vous comme commissaire. Ça, ça va. Vous dites, vous n'avez pas de probité intellectuelle. Et pour nous, vous avez une probité intellectuelle à dire. Pour les probités intellectuelles, je ne sois côté en façon texte en vérité. Bien écoutez, vous ne pouvez pas parler de l'école bien aimé, mais la vérité de ça vous dit à c'est sa vérité, ce n'est pas connaissance théologique qui sauve, c'est le sang de Christ qui sauve. Amen. Sauvé par grâce, pas accepter Jésus comme sauveur personnellement. Accepter Jésus comme sauveur personnellement. Nous avons intégré et d'être comme tu veux sur le Philippe, dans sur cette bolose. T'es que tu l'église, l'église baptiste là, et puis l'église adventiste le bois là, oui. Toujours aller comme bien dit ça, puis même aller, on va dire, si mesdames, ouais, mais le plus ça de l'examen, c'est ton si genre, et il va tout m'attraper, mais il a capoté le gros bagaille. Il dit, je t'ai pris quand même pour ici. Le monde chacun le lève, bon, et puis, quand il me suit, il va faire mathématiques à monsieur, et puis il va faire mathématiques, faire mathématiques, et puis monsieur dit, qu'il est, et puis monsieur, bon, comme on m'a accepté Jésus, comme sauveur personnel, je lui dis, monsieur, c'est le commun, et puis je dis, tiens, ouais, bon, bien, il y a plus d'autres amis encore. Nous en savons le signe jusqu'à disponible par son carrément. Nous combattons avec nous ça. Nous essayons d'attendre ça, mais on ne peut pas guérir pour me sortir mon sécurité. Nous devons l'air passer vite pour comme il convient de faire voir par nous. Mais c'est sincère par sécurité pour que c'est sacré mon Dieu m'a crié. C'est sincère, il a servi mon Dieu à l'église qui a été réussi par lui. Et pourtant, on a pu réaliser c'est que mon Dieu qui donne grâce pour ce car lui-là. Amen, amen. Pour que bon Dieu merci. Les bon Dieu pour bagaille, bon Dieu, ma chère, ma serviteur, ma chère, ma pas fait, mais ma donne non, il est mobile. Moi, je fais son gratis, mon Dieu, merci, mon mari, et mon madame. Mais tout est fort, tant de rôle, Satan va t'aller avec deux mondes vivants ensemble. Il crée tout événement pour faire baguer la paix, et monter plus haut, l'en sauver. Pour que plus haut, pour qu'il va manger un persécuteur dans l'église. Pour quelle raison? Pour qu'il va se vider dans l'église. Parce que t'es mon rêve contre l'église, mais non! Pour le signe ça le galade, de la première verset 15 et 14, vous avez su en effet, quelle était votre foi, ma conduite dans le judaïsme. Ah, comment t'es passé du lien à outrance et ravager l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme. Mais mon épaule t'a avancé, mais quand je dis ça, c'est peut-être une raison que les signes de Dieu qui t'ont échappé. Oui, moi tout le monde connaît pour l'avancer, mais quand je dis ça. Ouais, j'étais plus avancé, oui. Et peut-être c'est une raison qui fait qu'il t'ait échappé dans la vie. Voilà la raison pour laquelle que pour la persécution de l'église, il n'y a pas de terrain pour l'église, mais à cause de la tradition des pères. Qui s'est noué la tradition des pères? C'était la loi orale, qui était composée de 613 articles. Paul mettait en pratique deux sortes de lois. La loi écrite, lorsqu'il dit pharisien, c'est la loi orale des autres. La loi orale, c'est la tradition des pères. Dieu disait la loi orale. La loi orale enseignait que tout juif pieux a pour devoir de chercher à être agréable à Dieu et de détruire toute religion qui se dresse contre le judaïsme. Voilà la loi orale, ça dit. Il enseignait que tout juif pieux a pour devoir de chercher à être agréable à Dieu et de détruire toute religion qui se dresse contre le judaïsme. Voilà pour quelle raison Paul, il pensait que le christianisme finit pour détruire le judaïsme. Avec ça, nous avons cherché à créer à Dieu avec le judaïsme. Paul dit, m'a détruit le christianisme pour me faire mon Dieu plaisir. Voilà pour quelle raison Paul de dire, irréprochable à l'égard de la justice, persécuteur de l'église. Voilà tous les atouts que Paul tenait. Il renonçait à toute bagaille. Cependant, lorsqu'elle vient convertir plus tard, il réalisait qu'il n'était pas agréable à Dieu. Vous remarquez, maintenant, lorsque Christ a rencontré Paul, ça a bouleversé Paul. Il y a deux bagailles de la rencontre de Paul avec Jésus qui étaient bouleversés l'apôtre Paul dans l'acte des Apôtres chapitre 9. Lorsque Paul a raconté ça au docteur Luc et plus tard, une jeune fille qui a pris un témoignage devant les rois, il était accent sur quelque chose qui était bouleversé. La première chose qui était bouleversée Paul, c'était l'apparition de Jésus-Christ comme lumière du monde. Et qui s'apportait reconnaître comme lumière du monde, il était reconnaître Dieu comme lumière du monde, il était reconnaître Adam comme étant la lumière de la race fédérale humaine, la loi était considérée comme lumière, Jérusalem, la ville lumière, le temps comme lumière. Il va tourner dans le bagage. Jésus, quand il dit, je suis la lumière du monde. Et cette lumière que Paul rencontrait. Le deuxième bagage qui pouvait faire, c'est Paul, c'est que Jésus, il est pesé dans Acte 9, verset 4, il est tombé par terre, et il y a une voix qui dit, Saul, Saul! Lorsque Jésus répète ton bagage deux fois, c'est pour mettre l'accent sur les portes de sa vie. Le nom de Saul veut dire, désiré! Jésus dit, désiré! Désiré! Ça bouleverse l'apôtre Paul! Et puis Jésus dit, tu veux être désiré de Dieu?
Et je vais exactement te montrer la voie par excellence, Paul, pour que tu deviennes le disciple de Dieu. Paul le dit, humiliez-vous, Saul, Saul. Jésus que bouleversé la conscience de Saul le cas. Lorsqu'il est venu, Saul, deux fois, Saul, Saul, désiré, désiré. C'est pour cette question que Paul dit. Jésus qui dans le verset 6, il tremble, auteur la vie saisit des fois. Il dit, Seigneur, qui semble me faire? Où est-ce que désiré? Et mon désir, en effet, c'est d'être le désiré de Dieu. Puisque malgré tous les efforts déployés dans le judaïsme, Paul dit, magnifique, être le désiré de Dieu. Eh bien, mon game chemin, hein? Mon Dieu dit quel chemin par lequel on ne peut passer pour devenir le désiré de Dieu. Et voilà la beauté de la rencontre de Paul avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ de nous dire, le verset 6, lève-toi, Paul. Entre dans la ville. Nous va nous s'accoucher. On va pas l'interpréter, ça, il y a beaucoup de choses à dire. Et verset 8, Paul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Christ dit, entre dans la ville là. Et à tout. Et lorsque c'est une bannière avec, le grand penseur commençait à penser sur cette date. Le verset 8, Saul se releva de terre. Dans son témoignage devant les grands, à partir de l'attention de ces derniers sur cela, Saul relevé par terre, et pour s'il fermait, il ouvrit mes paroles, par loyer, il prend par la main, il conduit la masse. Quelle image de la nouvelle naissance! Allemagne de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance s'obtient par la foi. Au coin de Jésus-Christ. Donc, pour être agréable à Dieu, dans tout effort qu'on a déployé, s'ouvrir aux croyants sans avoir la foi, les babos. Mais pour être agréable à Dieu, il faut passer par la foi. La foi qui débouchait sur la nouvelle naissance. Donc, voilà l'image de la nouvelle naissance du Saul le Tarse. Il est né de nouveau. Donc, il est né selon Jean chapitre 3. Jésus-Christ dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Saul est né de nouveau par la foi. Et le grand penseur maintenant, lorsqu'il a commencé à penser, nous arrivons là. Et qui s'est dit plus tard, le Galates 2, verset 20, voilà pour quelle raison, Saul le Tarse va devenir Paul, qui a pris l'essence sur le chemin de la main. Mais Jésus-Christ fait né dans l'image de la foi. C'est la rencontre de Jésus qui naît la foi pour devenir le désiré de Dieu. Et l'apôtre Paul le dit, lorsque je prends conscience des choses que je fais, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est possible. Donc, à ce moment-là, nous faisons ce moment qui t'attendait. Parole là. Cet animal-là, Paul est crucifié. Il est crucifié pour mieux avoir le pharisien. Il est crucifié l'élève de Gamaliel. On l'élève de Gamaliel, c'était Gamaliel qui avait la beauté de la loi. Lorsqu'on est Paul campé dans la classe là, comme l'élève de Gamaliel, et c'est pas très malheur pour le complaisir pour la belle Paul. Paul, il finit à Paul, par contre, qui pour ça, c'est ça qui on dit, ou à Paul, ça t'a parlé, ça peut pas dire madame, oui, Paul, t'es madame, parce que pour tes membres de sa rivière, faut tes statut marital, faut tes mariés. Alors, madame Paul, elle a regardé la peau de Paul, dit t'es vrai, mais Paul, et puis t'en es cougnat, mais on dit Paul changer, mais on dit Paul n'a pas mis à lui pied, mais on dit Paul n'a pas mis à lui pied, on a parlé, madame Paul dit Paul, ouvrez-vous, Paul, je me dérive, vous m'appréciez, Paul, on nous servait, on nous guérit, connaissez de vous, vous êtes entendu, Paul, moi, plaisir, m'entendez. L'homme dit à la mathématique, c'est mon plaisir, Paul. L'homme qu'on parle, nous sommes fiers à Paul. L'homme avec vous, mais vous n'avez pas mis bonne panne et pied. Vos orteils, les potes, vous servez Jésus. Au criminel, vous crucifiez, vous faites mourir, Paul. Oui. Et soit madame l'a dit, vous savez, vous avez dépassé par là. Alors, soit vous avez pour quitter, vous avez appris à la Dieu. Comment Dieu est bien? Comment Dieu fait nos grâces? Comment Dieu a tout rire? Comment Dieu éclairé nous? Bah, on est qui position à suivre. Et souvenez agréable à Dieu. Et Jésus fort agréable à Dieu. Mettez de l'obéissance à la parole de Dieu. Comment Dieu parabiné? Quand tu as un monde qui peut faire la paix avec Jésus. Et capter de nous-mêmes, intervenir de nous. Un monde qui peut faire la paix avec Jésus. Vous avez voulu rencontrer avec elle, acceptez-le comme sauveur personnel. Ou pas chaque regret. Jésus est à la porte. Et si vous avez un monde qui l'a, qui tendait. Mais leur fin tendait, laissez-moi agréable à Dieu. Et c'est la bonne qui t'avait approché devant. Vous m'êtes convaincu déjà, vous avez dit oui. Vous avez ça. Est-ce que vous avez ça approché devant la promette? Quelle église américaine de son père? Américaine n'a pas jamais discuté la parole là. Leur fin prêché. Vous avez prêché cette Lucie. Leur fin prêché. Mon Dieu américain qui a approché devant. Il dit, mon son servant de Dieu, ce que c'est ça pour approcher devant. Il dit, non, dans les paroles là. Vous avez suivi du commencement à la fin. Et c'est même prédicateur, il m'a dit, il vient devant. Il vient devant, il m'a couché devant. Il dit, ces paroles-là, il m'a couché, il m'a dit, il vient devant. Il commence à dire, il m'a béni. Il m'a béni, il me dit, c'est bien ça. Avec qui est différent. Et ça fait quelques jours, il y a le jour habillé, on dit, on grâce spéciale pour nous. Amen. Il avait dit, souffle, Martin, peut-être à ce soir, au cas où vous avez rechargé la batterie.
pas qu'il a crié, il a dit peut-être bâton descend. Bâton spirituel descend. Est-ce que vous avez rechargé bâton? Vous n'avez pas vu devant eux, non. Vous n'avez pas vu devant, non. Vous avez devant Jésus. Est-ce que vous avez ça? Vous sentez bâton déchargé? Est-ce que vous avez rechargé bâton? Vous n'avez pas mettre de problème. Vous sentez que vous n'avez pas la vérité. Vous n'avez pas obéi à vous. Vous n'avez pas obéi.